3, 4. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume. La République, c'est moi ! Cessez de gueuler ! Taisez-vous ! C'est ça, les Français ! C'est de la poudre de perlimpinpin. John ! Au secours ! La ferme ! Nique ta mère. Mocheté, mal élevé. Quand on est riche, on est désagréable. Les enculés, tu jouiras. C'était super, on a baisé toute la nuit. Salon ! Non, monsieur ! On bavarde ! Vous bavardez toujours ! Là ! Soyez avec nous ! Vous avez la langue bien pendue, bon sang ! Comme vous êtes président, excusez-nous, ouais. Vous êtes protégé par ces armes-là. D'accord. Ça rigole plus, hein. Même c'est vous, là. Quelle honte ! Tu n'as pas honte, hein ? Je vais leur en mettre un petit coup, moi. Mais non, c'est pour la peine, juste au-dessus de la tête. Mais non. Ce que je reproche justement à François Hollande et ce que je reproche justement à tous les pouvoirs publics depuis des années, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a une guerre de civilisation qui nous est menée sur notre sol. Vous avez vu la marguée? Oui. Elle est noire. Elle est même pas café au lait, elle est noire. Puis lui, il est blanc. Et alors? Ah, il est blanc, elle est noire. Être président de la République, ce n'est pas seulement mais allumer des bougies. Alors, à quelle heure demain? À 3h chez moi. À 4, tout sera fini. Ce n'est pas seulement organiser des marches blanches. Ce n'est pas seulement, comme le dit Monsieur Hollande, ne pas vouloir diviser les Français. Alors, comment on se retrouve là ? C'est protéger les Français quand on leur fait la guerre. Et la France ? Ah là, je vous interdis ! Vous avez dit je m'en fous ! Ah non ! Vous avez dit je m'en fous ! Éric Zemmour, le quasi-candidat. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Pour lui, la campagne se joue aussi sur le sol anglais. Quoi ? Vous les aimez, vous, les Anglais ? Ben oui. Ah, moi, je les aime pas. Car 250 000 Français habitent au Royaume-Uni. C'est une blague. C'est une plaisanterie ! Non, monsieur. Autant d'électeurs potentiels. Ils étaient quelques centaines à venir l'écouter hier soir. Cette chair elle-même... Ah, moi, c'est fini, je reviendrai plus. Ici, il y a beaucoup de Français, et donc je rencontre des gens qui ont les moyens de financer une campagne. Bon, 150 millions. 160. Vous avez déjà dit 150. 170. Mais écoutez, 180. D'accord, d'accord. Certains Français, comme cet entrepreneur, sont prêts à faire un gros chèque. Oh non, j'aurais du liquide. Oh, je n'ai pas. Oh, si. Mais non. Oh, si. Mais non. Mais non. Mais je vais même. Oh, je vais rien. Ah, bon. Oh là là. Mais Londres est loin de dérouler le tapis rouge aux polémistes. Hier soir, quelques Français ont manifesté contre sa venue. On pense que c'est quelqu'un de raciste, de misogyne, qui a été condamné à deux reprises pour incitation à la haine raciale. Pour le maire de Londres également, Éric Zemmour n'est pas le bienvenu. La Royal Institution, elle, a annulé sa venue dans ses murs. Il s'est rabattu sur cet hôtel. Vous avez vu, hein, bah c'est ça les Anglais. Oh, ça m'étonne, ils étaient plutôt sympathiques. Sympathiques. Un probable candidat qui lance son offensive dans une ville qui a largement voté Emmanuel Macron en 2017, à l'image de ses Français. Vous vous foutez de moi? Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. Ah, ça c'est étonnant. C'est délicieux. Delicious. Mange, mon fils. C'est délicieux. Mange. Aïe, aïe, aïe. C'est... Allez, mange, allons. Laf. Alors ça, c'est le dessert. Ah non. Hein?
Non, ça c'est la viande. Ah. Avec la chantilly. Ah, ça c'est étonnant. Delicious. Delicious. Tiens, mange. Allez, mange mon fils. Allez, hop, il faut finir le plat maintenant. Hein. Tout le plat. Delicious. Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Et votre femme? Comme toutes les femmes, elle n'a rien à dire. Oh, rien. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Comme de que, n'exagérons rien. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Bravo, tu as les idées larges. Bah, dans ce château, il y a des arbres. Alors quand un arbre rencontre un autre arbre, qu'est-ce qui se passe? Mais il a peur. Non! Il vous prend pour un terroriste. Alors il s'approche comme ça, il s'approche, il ne sait pas que c'est vous. Et alors là, clac, les menottes, et voilà. Il n'a pas honte? Non, j'ai pas honte du tout. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Prenons ça comme ça. Mais, ce que tu veux. Écoutez, le zémouristan, ça existe. C'est une plaisanterie! Non, monsieur. Je vais m'enseigner. Ah, vous n'avez pas confiance en moi? Si, mais je vais m'enseigner quand même. Mademoiselle Rogivu! Mademoiselle Rogivu! Oh, mais c'est ça, c'est vos chambres! Non, non, c'est rien, c'est rien. D'accord? C'est pas mal. Ça existe. Oui, oui, ça existe. Merci, mademoiselle, vous avez vu? Oh là là. Oh, aïe, aïe. Oh là 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 là. Ben, pourquoi vous dites oh là là là? Parce que c'est oh là 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 là. Un pays où les femmes sont rabaissées. Un pays où il y a la peine de mort, qui vous plaît? Il y a un incendie dans ma chambre! Il y a un incendie dans ma chambre! Alerte! Il y a un incendie dans ma chambre! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un... Oh, quelle horreur! Laissez-moi parler, mon Dieu, il y a un pendu dans ma chambre! Dans ma chambre! Non, dans la mienne! Dans la mienne, oh, quelle horreur! Un pays où les homosexuels sont punis. Et un pays où on adhère pas à la convention internationale. Là, vous décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Oh, barbares! Ce que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées, où les femmes se font insulter et cracher dessus quand elles sont habillées en jupe. Ah, non, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, moi, je dis, le mieux dans ces cas-là, de toute façon, ils vont toujours baiser, votez pour moi. Et YouTube te nique, 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 tout simplement. On s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes ayant droit, on prend tout et ferme-la. On prend tout et ferme-la.